Amen. Alléluia. Il y a des gens, il y a des gens qui sont fidèles, qui viennent toujours pour la parole. Mais pas l'ordi qui va nous arrêter de prêcher, quoi. Alléluia. Sa mère était là, le jour de la Pentecôte. Maintenant, il est le Seigneur de sa mère. Le Seigneur de sa mère, comme de son disciple. C'est-à-dire, sa mère aussi est devenue son disciple. Waouh. Et ce n'est pas un mourant qui dépend de la bonté de sien, mais aimant profond, encombre les biens de futurs de sa mère. Jésus-Christ a prononcé cette parole avant d'entrer dans la troisième heure des ténèbres, de l'abandon de Dieu, même les liens les plus légitimes de la terre. C'est le fils envers sa mère devrait être rompu. Il fallait que Jésus-Christ entre seul dans le lieu où Dieu allait juger le péché du profond. C'est quel lieu d'abord Dieu va juger le péché? Tous les lieux, parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus-Christ était entré dans l'enfer, il y en a qui disent. Jésus-Christ était mort juste à cause de nos péchés. Parce qu'il a voulu faire quelque chose de bon pour nous. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'il a prononcé Élie, Élie, là-bas, Lama Sabbatani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu 27, verset 46, nous ne pouvons aborder cette quatrième parole de Jésus-Christ qui suffit avec un profond respect. Une parole importance capitale d'une immense densité et qui reste insondable pour nous depuis midi. Il fait nuit sur Jérusalem. Des ténèbres surnaturelles ont recouvré le pays de Jérusalem. C'est-à-dire les gens qui étaient plus de moqueries, plus d'injures, les hommes sont mis des côtés. Ce qui se passait à ce moment-là ne peut être vu, ni compris par une créature. Si ce n'était pas Dieu lui-même, personne ne pourrait jamais entrer dans la détresse de Jésus-Christ pendant ces 3 heures d'obscurité. Notre Sauveur demeura dans une solitude totale, abandonnée de son Dieu, parce qu'il existait le péché de tous ceux qui croyaient en lui. C'est ce qu'il a porté sur lui. Ah, je vois, il me manque beaucoup d'heures. Il semble que nous n'avons même pas fini de parler. Mais quand je vais juste rentrer dans le passage qui est plus profond pour vous montrer encore Ésaïe chapitre 53. Nous pouvons lire tous ensemble ce passage. Parce qu'il me manque tellement de là. Je vais vous accorder un peu de temps, si vous voulez. S'il y a des questions là-dessus, toutes ces choses. Que... On va lire, ça c'est le passage que nous devons lire tous ensemble. Ésaïe chapitre 40. Pardon, 53. Et mon Dieu, il me reste beaucoup à dire. On est sur une situation. Nous n'allons pas y arriver. C'est beaucoup. Ésaïe 40. Pour nous lire, tu sais, tous ensemble. Oh. Vous y êtes? Ok. Lisons tous ensemble, Ésaïe 40. Oh, pardon, Ésaïe 53. Qui a pris à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une rejeton qui sort d'une terre de séchée.
n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habituel. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié. Nous avons fait de lui en aucun temps. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il se charge. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est parce qu'on est plus sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a réouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par la croix et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, il a été retranché de la terre et frappé par le péché de mon père. On a mis sous parmi les méchants son tombeau avec les riches, quoiqu'il ne pouvait produire de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir élevé sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra prospérer, prolongera ce jour et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera Seigneur par sa connaissance comme son serviteur juste qui suivra beaucoup d'autres. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part. Avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis en ombre de malfaiteur. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a été assuré et plein coupable. Si nous comprenons vraiment ce chapitre, et si tu regardes le premier verset, pas le premier, le dernier verset, et c'est pour ça, il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. C'est-à-dire, si tu n'es pas coupable, Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Si tu n'as jamais péché, ou si tu n'as pas péché, Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Il est mort pour les pécheurs. Aujourd'hui, si nous sommes encore ici, si nous pouvons rentrer là, Seigneur, c'est parce que Jésus a payé les prix. Et nous ne sommes pas là parce que nous sommes parfaits. Personne n'a fait sur cette terre. Mais regardez, il a porté les péchés de beaucoup. Savez-vous pourquoi est-ce que la Bible mentionne beaucoup? Parce que quand c'est lorsque tu reconnais que tu es coupable ou tu as péché, ou tu es un pécheur, c'est là que Dieu, Jésus-Christ, a pris sa responsabilité pour toi. Il a pris ta responsabilité maintenant. Parce que toi, tu reconnais. Et c'est pourquoi la Bible nous demande et nous parle de repentance. Tout autant que je pense que je ne fais rien de mal, encore, c'est comme si je ne suis même pas conscient de ce que Jésus-Christ a fait, le prix qu'il a payé à la croix. Et c'est pourquoi, regardez, et nous savons que la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Mais il a, regardez, ici, ça dit qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, c'est ceux qui reconnaissent d'abord leur culpabilité, qui reconnaissent leur péché. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a porté ce péché. C'est-à-dire, comme Dieu ne peut pas faire notre volonté, il faut que d'abord nous reconnaissions nos péchés. Si nous ne reconnaissons pas nos péchés, c'est qu'il n'est pas mort pour nous.
Et c'est pourquoi la Bible ici, il a dit, il est en, jusqu'à présent, il est en train d'intercéder pour les coupables. Qui sommes-nous? Et Dieu, si puissant, saint, il est venu sur la terre. Il est mort à ma place. Et lorsqu'il est mort, ce n'était pas lorsque j'étais déjà de bon côté. La Bible dit, il prouve tout simplement un amour sans condition. Et la Bible dit, Dieu prouve son amour dans Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lui, il est mort. Et il porte nos péchés. Peut-être en regardant, écoutez, ça c'est une victoire. Et c'est une victoire, c'est juste que je suis là pour vous dire, vous pouvez marcher au-dessus de tes péchés, de vos péchés, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé déjà le prix. Vous pouvez marcher librement parce que la Bible dit, si donc le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Amen. Jésus-Christ allait à quoi? Pour nous donner la liberté. Nous pouvons marcher dessus et vivre pour Dieu parce que lui, il a payé déjà le prix. Pouvons-nous couper nos têtes pour la matinée de la France? Alléluia, Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons pour notre prince. Le prix est-il le Père que tu as pris en conseil? Que le châtiment, Seigneur Jésus-Christ, pour toi. Qui nous donne la paix et tombe sur le trône. T'es humilié, Père, brisé pour nos iniquités. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, papa, est dans le champ. N'avons rien fait, papa, pour être ici dans ce lieu, Seigneur. C'est grâce à ton amour, Seigneur, grâce au pardon, papa, que tu nous as donné. Par ta mort, Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous dit, Seigneur, papa, qu'on envoie ma sainte à tous ceux qui croient, porte ton nom, c'est bien sa mort, ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Voici encore une fois, devant toi, Seigneur Jésus-Christ, papa. Le cœur brisé, papa, plein de péchés, Seigneur, Père, alléluia. Coupable chaque jour, Seigneur, nous faisons des choses que des fois expressement, Seigneur. Alléluia. Papa, alléluia, inconsciemment, Seigneur Jésus-Christ, pardonne ton Père, donne-nous Jésus. Oh la Bakataba, oh le Goyo, oh Koroya, ma sainte. Donne-nous, Seigneur Jésus, papa, alléluia. Alléluia, réponds-nous, Seigneur Jésus, alléluia, mais toi, tu es saint, papa. Alléluia. 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 Chargez nos péchés, papa. Nos iniquités, papa, sur ton nom, Seigneur. Alléluia. Et papa, aide-nous aujourd'hui à prier, Seigneur, nous établir, papa. Alléluia. Voulons te laisser, papa. Oui, Jésus. L'amour profond, papa, viens nous chercher sur cette terre, papa, parce que nous sommes affligés. Père, tu es mort à notre place, mais Jésus, papa, je suis mort. Seigneur Jésus-Christ, papa, il a marché pour nous. Il est mort, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort, Seigneur, toi, Seigneur, Père, pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Connaissons, papa, nos faiblesses, encore une fois, Seigneur, le péché. Pas du thé, Seigneur, au milieu des malfaiteurs, Jésus.
dehors, papa, alléluia, humilié, maltraité, Seigneur, méprisé, frappé, oh Seigneur. Même Seigneur, tes blessures nous guérissent, papa, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, être sûr que nous sommes guéris, Seigneur, notre guérison, papa, il a machette. Seigneur, la provision, papa, il a machette de la croix, Seigneur. Quoi, Seigneur, avant même de ta mort, Seigneur, tu nous as donné encore déjà, Père, provision pour notre guérison, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu si nous sommes guéris par ta mort, nous avons la vie, Seigneur Jésus, que tu as la parole. Merci, Seigneur, papa, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Soit élevé encore une fois, Seigneur Jésus. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, Père. Pour la vacante, nous avons beaucoup de gloire, Seigneur. Pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'être ici dans ta sainte présence, des juifs, cette présence. Alléluia, alléluia. Voici, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, tes pieds, Seigneur Jésus. Tu as tout enlevé, Seigneur Jésus. Au nom de ta mort. Au nom de Seigneur Jésus. Du
pardonne. Et femme, voilà ton fils. Sa mère était proche de la croix. Il y avait trois maris qui étaient à la croix. Proche de la croix. Il y avait trois. Marie, sa mère, Marie Magdala et Marie. Madeleine, Marie. Je ne me rappelle même pas, mais trois. On va parler de ces trois maris qui étaient juste à la croix. On va juste amener jusqu'à notre création là-dessus. Ces trois maris qui étaient à la croix, proche de la croix. Ces trois femmes. Avec sa mère et Marie, celle qui est. Vider le parfum. Celle-là, il a délivré aussi de l'adultère, souvenez-vous. Parmi ces trois maris. Il y a eu la sœur de Lazare. Mais quand il est père, je connais. Quand il est père, c'est, il a rendu l'esprit. Et c'est là où les hommes m'ont confondu. Maintenant, comme tout est cher, comme nous avons parlé que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Toute chair peut la souffrance. Quand vient le temps que tu vas souffrir, et tu ne vas pas. Toute chair. C'est-à-dire, c'est pourquoi tu vas voir, la Bible parle Jésus-Christ homme. Regardez, si tu regardes dans le médiateur d'abord, dans 2 Corinthiens chapitre 5, pour la réconciliation, la Bible dit Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, juste pour nous comprendre que cette chair, il était là pour réconcilier, il était le seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre 2 Corinthiens chapitre 5 et c'est Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, cette chair. Arrivé un moment, au point même avant cela, il a dit, Père, si c'est possible d'enlever ce coup, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est, quand il était en train de parler, ce n'est pas parce que comme Jésus-Christ était en train de parler à quelqu'un d'autre, mais c'est la chair qui prie à l'esprit. Quand Jésus-Christ dit Père, c'est la chair qui prie comme nous aussi, parce que Dieu est esprit. Et c'est pourquoi, quand Jésus-Christ prie, les gens disent, mais comment est-ce que Jésus-Christ... Là, il y a une autre chose que nous ne comprenons pas dans quand. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est un mystère, cette piété, c'est un mystère. C'est-à-dire, nous n'allons pas casser nos têtes pour comprendre cela. Si vous voulez comprendre toutes ces choses, ça... Vous allez vous retrouver vous-même dans une confusion. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, je pense que verset 18. Pas 18. Elle dit Jésus-Christ, homme, c'est lui qui est réconcilié. C'est le verset qui me cherche. Tu me donnes plus que l'autre verset qui suit. Bon. J'ai perdu mon verset, je ne sais pas si c'est encore. Là, Jésus-Christ, homme, c'est le médiateur. Il y a un seul médiateur, c'était Jésus. Ah, entre... Timothée. Peut-être que. Timothée. Timothée 2. Bon, voilà, j'ai dit le corrigeur, c'est Timothée. Et il y a un seul médiateur entre Christ, entre Dieu, c'est Jésus-Christ. Homme, c'est un médiateur. Maintenant, là, Jésus-Christ est en train de prier, il dit, mais tout ce que Jésus-Christ est en train de faire sur la croix, il ne fait que parler à son Père. En disant, comme l'Esprit, la chair parle à l'Esprit. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a parlé, même avant cela, il a dit, c'est parce que cela a été donné, sinon tu n'as pas le pouvoir de me crucifier. Et toute question
tout ce qu'on a posé, tout ce qu'on a dit de lui, il parle. Mais remarquez, c'est dans son ministère, les disciples ont eu le même problème. Pour donner Jean 14, il y a un problème. Il y avait un problème avec ses disciples où Philippe a eu un problème aussi. C'est-à-dire, et c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, nous allons avoir des difficultés où les gens vont. Jean 14, commencez à partir du verset 6. Et quand il parle de ceci, regarde, il a dit, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui par moi. Maintenant, il est en train de parler de Père. Et il n'arrête pas de parler de Père, de Père. Mais continuez. Regarde le verset qui suit. Là, il a dit, nul ne vient au Père qui par moi. Donne-moi plus de versets. Je peux nous donner 3-4 versets jusqu'au verset 8. Là. Ça va mieux. Et il dit, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Il parle, il ne fait que parler de Père. Il a dit, et dès maintenant, vous le connaissez. Il a dit, dès maintenant, vous le connaissez. Tu es en train de parler de quelqu'un, là, tu dis, dès maintenant, je le connais. Comment est-ce que... Il a dit, dès maintenant, vous le connaissez. Il a dit, et vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà. Il a dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et maintenant, là, Philippe a eu un problème. C'était l'un de ses disciples. Il a dit non. C'est pas possible. Ça, c'est Philippe. Alors, je me mets à la place de Philippe. Je vais aussi questionner. Philippe lui dit, Seigneur, tu nous parles du Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Puis, c'est comme si Philippe il avait un grand problème avec cela. Tu ne peux pas me parler de quelqu'un d'autre. Et là, tu me parles. Arrivé un moment, je m'as dit, je l'ai vu. Et il n'est pas là. Je vais questionner comme Philippe. Il n'est pas là. Comment est-ce que je l'ai vu? Et regarde, qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Non, non. Et le pas. Où est-ce que je suis là? Maintenant, Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Regarde la réponse de Jésus-Christ. Avez-vous vraiment compris cette réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a si longtemps. Mais écoute, il parle de Père. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit à Philippe? Il y a si longtemps que je suis là, je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe? Philippe. Impossible. Tu parles de mon Père, de mon Père, de mon Père, de mon Père. Et là, tu... Je te questionne, montre-moi le Père. Et là, tu m'as dit, c'est toi. C'est là le problème. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème comme si on a vu aujourd'hui sur la question de qui est Jésus. C'est fait depuis longtemps, même à celle-ci. Pour ne pas dire que, oh, nous sommes... Non, même à celle-ci. Philippe, c'était un disciple. Alors, si Philippe a eu un problème, avec Jésus, en parlant du Père du Père, je vais être fatigué. C'est-à-dire, nous pouvons juste comprendre que ce n'était pas un problème aujourd'hui dans ce monde. C'était aussi dans le monde de Philippe. Il a eu ce problème. Mais Jésus-Christ lui dit, c'est moi qui ai le Père. Non? C'est grave. Aussi si longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? J'imagine. Josias est en train de parler de son père. Il arrive quelque part, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne sais pas pour quelles conditions. Tu ne vas pas d'accord avec Josias. Tu as dit, montre-moi ton père, monsieur. Moi, je veux voir ton père. Il a dit, mais moi. Tu vas d'accord avec lui. Avec, on va voir que c'est la différence. Pourquoi la Bible parlait que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit, c'est moi qui le père. Souvenez-vous, nous venons de lire dans Ésaïe, il a dit, mon serviteur que j'ai choisi. Écoutez, il y a ces trois verbes. Ça va enlever d'abord tout le doute que nous. Tout le doute, toutes autres choses. Appliquer ces trois verbes. Est-ce que pour nous revenir encore de ce même passage que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe encore. Et nous devons juste regarder ce. Par exemple, il a dit croyez-moi.
Il a encore parlé du verbe croire ici. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu dis que tu es dans le Père, oui, mais le Père ne peut pas être dans toi. Parce que tu viens, tu sors de ton Père. Ce n'est pas ton Père qui l'a. Anyway, ça, c'est quelque chose. Pour vous, le Père est en moi, moi aussi je suis. Ah, qu'est-ce que je dis? Esaïe encore. Montre-moi le verset. Regardez. Quand il a dit cela, et c'est profond, il a dit, vous êtes mes témoins, Dieu l'Éternel, et vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Il a mentionné trois verbes. Et ces trois verbes, je vous dis, si vous l'avez, vous gardez, et vous priez le Seigneur là-dessus, avec ces trois verbes, vous n'allez jamais avoir la difficulté de comprendre la parole de Dieu. Croire, savoir et comprendre. Maintenant, je vais encore. Bon, quand pendant que je parle de ces trois verbes, tu vas à l'école pour faire quoi? Et tu ne peux pas apprendre si tu ne comprends pas. Tu peux apprendre si tu ne comprends pas. Et quand tu comprends, tu sais le verbe savoir. Et quand tu sais, il y a une confiance qui vient en toi que tu crois ce que tu fais c'est réel parce que tu le sais. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand tu... C'est ça. Ça enlève toutes les philosophies. Et c'est pas moi qui écrit, c'est bien la vie. Il a dit c'est moi. Et souvenez-vous encore, il y a un autre passage encore. Il dit que Esaïe 9, verset 5. Encore, regardez ce passage. Oh, alléluia. Et quand il parle, et c'est pourquoi, quand la Bible est mentionnée de baptiser, il parle au nom. Et quand il mentionne au nom, les gens ont des difficultés. Il dit, mais c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Écoutez, ça c'est un problème majeur. Jésus-Christ a parlé avec qui? Avec les disciples. Comment les disciples ont baptisé? Wow, Seigneur, aidez-nous aujourd'hui. Nous avons une grande difficulté. Regardez, quand un enfant nous est né, c'est qui est l'enfant? Jésus. Ne me dis pas que ce n'est pas l'enfant qui est né. Qui est l'enfant? Jésus. Il n'y a pas seulement deux personnes. Qui est l'enfant? Jésus. Un fils. Qui est le fils? Jésus. Alors, et la nomination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? Jésus. Ok. On appellera admirable. Qui on va appeler admirable? Jésus. Conseiller. Le mot ici, c'est le Saint-Esprit aussi, consolateur. Qui va être notre conseiller? Jésus. On l'appelle Dieu puissant. Qui est le Dieu puissant? Jésus. Et encore? Il y a deux pères éternels. Vous connaissez deux pères éternels? Non. Alors si Jésus est le Père éternel. Est-ce qu'il y a pour le Christ dans cette personne? Non. Ça c'était la prophétie sur Jésus-Christ. C'était la prophétie, c'est-à-dire un enfant nous est, et c'est cet enfant. Regardez qu'est-ce qu'il a fait alors. La domination, c'est-à-dire c'est cet enfant qui allait être dominé sur toutes choses. Et non seulement ça, et tout reposera sur son épaule. Il est un admirable et il donne de bons conseils. Et tout le monde admire Jésus. Qui n'a pas admiré Jésus ici? Il est un admirable. Alléluia. Et il est Dieu. Et Père éternel, il n'y a pas deux Pères éternels. Et qui donne la paix? Jésus. Il y a plein de messages. Je vous dis, on va faire une autre session sur la divinité. Si vous voulez comprendre vraiment qui est Jésus, on va faire toute une session sur la divinité. On va expliquer ce qu'on dit dans l'Ancien Testament. Et on va faire juste une parallèle. Ce que Dieu a dit, et voici ce que Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament. Quelle est la différence qu'il y a entre ces deux? Alléluia. Pardonnez-moi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est là le 21. Oh, mais c'est pour bon, mes frères qui viennent toujours à l'heure et même, ils attendent même. Anyway, alléluia. Mais gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, j'aime. C'est les enthousiastes, le Seigneur, alléluia. Travaillez dans votre vie, je crois fermement, vous allez prêcher cette parole partout, alléluia. Le Seigneur, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que le Seigneur veut vous former, alléluia. Et quand vous partez, que les gens vous questionnent, vous allez avoir les réponses pour eux avec votre vie. Amen. Allez, tout est là-dedans. Vous allez tourner Montréal à l'envers. Je ne sais pas, ou pas à l'envers, il est déjà à l'envers, mais de la bonne façon. Amen. De la bonne façon. Alléluia, c'est déjà à l'envers. Nous allons tourner ça à, de la bonne façon, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, par le change, ça transforme. Et c'est pourquoi nous allons avoir vraiment des sérieux. Alléluia. Notre Dieu est puissant, tout simplement. Alléluia. C'est Cathy. Oh, alléluia, tu es venu nous voir de nous parce que, oh, alléluia, c'est merveilleux. Alléluia, et quand tu es venu me voir, je pense, j'ai commencé à réfléchir tout ce que tu m'as fait passer avant. Mais tu es encore là, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Et savez-vous les uns les autres, content de voir le frère. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur merveilleux. Il est puissant. Alléluia.